Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo sur mes derniers achats. Un peu de fin de solde quand même. Du coup, il y a du grain de malice, du dressing de Sarah, du Pinky et du magasin Courir. Donc tout d'abord, je vous montre ces beautés. Grain de malice, des boucles d'oreilles violettes qu'ils viennent de sortir. Alors, je les ai en vert, je les ai en noir, je les ai en rouge, je les ai en marron, je les ai en bleu amiral. Je les adore, voilà. Et là, ils les ont sortis en violet. Donc, ça ira très bien avec un haut violet que j'ai acheté également chez Grain de malice. Non, que j'ai eu à Noël chez Grain de malice par mon ami. Donc, voilà pour ces magnifiques boucles d'oreilles. 9,99 €. Donc, comme vous le savez, j'adore accorder les boucles à mes tenues, tout simplement. Ça fait partie de mon quotidien. Voilà. Ensuite, la semaine dernière, oui, la semaine dernière, au boulot, j'ai craqué mon jean. Chose qui m'arrive très très rarement. C'était un jean Pinky, taille haute, skinny. Je ne mets que cela, que j'avais au moins depuis 8 ans, je pense. Et il a craqué au niveau des poches. Du coup, voilà, je me suis dit, il va falloir que je le jette, c'est pas possible. Voilà, donc j'en ai racheté un autre, comme ceci. Donc je l'ai pris en teinte un peu plus claire, par contre. Voilà, comme ceci. Donc c'est les Skinny Best Way, tout simplement de la marque de Nîmes Pinky. Voilà, 22,99 €. Ils ont augmenté également. D'habitude, je les payais 19,99 €, mais ils sont vraiment très très bien. Il y a de l'élastane dedans, c'est taille haute. Donc voilà, j'adore tout simplement. Donc voilà pour ce jean. Il me restait encore une carte cadeau, j'ai dû rajouter 80 centimes de ma poche. Voilà, tout simplement. Un petit cadeau de ma fille. Nous sommes passés dans la galerie de Carrefour samedi dernier pour faire nos courses et nous sommes passés devant chez Courir et il y avait des t-shirts en solde. Et j'ai trouvé ce t-shirt-là, des Lakers en taille S homme. Voilà, tout simplement. En fait, c'est la couleur violette qui m'a plu, hein. J'aime pas forcément les Lakers. Enfin, oui et non, voilà. Et je me suis dit, la couleur est vraiment très très belle. En plus, j'ai des coques sportives noires avec un liseré violet comme ça. Et je trouve que ça ira très très bien avec un jean, etc. Donc, à la base, il valait quand même 22 €. Voilà. Il était à moins 40 et après moins 50%. Donc ma fille, il a payé 11 € et du coup, je l'ai pris en taille S homme et c'est nickel. Voilà. Voilà pour ce petit t-shirt. Donc il y avait pas mal de t-shirts encore en solde à moins 50% chez Courir. Au niveau des baskets, par contre, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Ensuite, la semaine dernière, j'ai effectué une commande. Dans une boutique en ligne que j'adore, enfin, le dressing de Sarah. Donc je suis allée dans les petits prix, le e-shop et les soldes. Voilà, tout simplement, elle a une catégorie du coup petit prix et j'ai craqué pour un pull super joli que j'ai trouvé très très original. Et comme vous le savez, j'adore les pulls très originaux, toujours de la marque Jubelly en taille unique. C'est un pull en blanc et en vert. Magnifique. Voilà, comme ceci. Juste tout doux. Donc, il a un peu les épaules un petit peu en chauve-souris, là. Il est, mais d'une douceur. J'adore. Il arrive pile poil au niveau de la taille. Il est très, très doux et très, très agréable à porter. Je vous insérerai une petite photo. Je l'ai essayé et je l'ai envoyé à Sarah pour qu'elle le mette dans sa story Instagram parce qu'elle adore les porter. Voilà, il est tout tout doux, tout tout doux, tout tout doux, toujours bien emballé au dressing de Sarah avec un petit mot. Par contre, les soldes et les petits prix ne sont jamais ni retour ni échangeables. Toujours bien emballé dans un petit papier de soie qui est parfumé d'une odeur juste agréable. C'est un parfum qu'elle vend également. Voilà, très très bien emballé. J'ai commandé le vendredi. Et je l'ai eu au colis le jeudi. Environ 5 jours, il faut compter en retirant le week-end. Voilà. Et une autre.
Dressing de Sarah toujours. Oula, on voit quelque chose, là, on ne voit rien. Voilà, c'est rien. Toujours une odeur juste adorable. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Donc, je pensais que la matière était un peu plus épaisse. Du coup, je me suis dit, je mettrais un petit top blanc. Un petit top blanc en dessous. Mais regardez-moi cette beauté. Toujours de la marque Jubélie, cette fois-ci en taille ML, parce qu'elle a dit qu'il fallait prendre une taille au-dessus, parce que le S était équivalent à un 36-38, et moi, avec mes bras, je fais toujours très très attention. Regardez-moi cette beauté. Une chemise Vichy rouge, avec des petites choses comme ça ici, et un cœur au niveau de la poitrine. Regardez-moi cette beauté, juste magnifique. Donc, les broderies, au bout des manches. Donc, effectivement, elle est un petit peu transparente, mais avec un petit top blanc en dessous. Elle est juste magnifique. Donc, avec un petit jean, des petites boucles d'oreilles rouges. Oh, mais mamma mia, elle est trop, trop belle. Donc, voilà, voilà, le dressing de Sarah, c'est une boutique en ligne. Je vous en avais déjà parlé ultérieurement. J'achète pas mal de choses là-bas, souvent en petit prix. Donc là, la chemise n'était pas en petit prix, mais souvent en petit prix. Des vêtements souvent de marque italienne, voilà, que l'on peut retrouver souvent dans les petites boutiques en ligne comme ça, la boutique de Lily, etc. Elle prend soin d'expliquer les produits, les tailles, etc. Elle emballe les colis vraiment soigneusement. Nickel, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique en ligne le dressing de Sarah D. Vous pouvez également faire des cartes cadeaux, etc. Elle a également des chaussures, parfois des ceintures, parfois des bijoux. Donc voilà, très très bien. Voilà, voilà pour cette vidéo de mes derniers achats shopping. Comme vous le savez, j'adore la sape, j'adore les boucles d'oreilles, etc. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. We'll be right back.